Hey, salut tout le monde, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine sur Xur, savoir où il est, ce qu'il a à nous proposer cette semaine. Donc c'est parti, on va pas traîner. Il se trouve dans le hangar de la tour, donc c'est la tour juste à droite. En même temps, c'était un peu évident. La première semaine, ils l'ont mis tout au fond, près de l'avant-garde. La deuxième semaine, ils l'ont mis à la tour nord. Et là, ils vont nous mettre forcément à la tour de droite, au hangar de la tour. Donc, on va passer un peu toutes ces factions, la brigardière, l'astromorphe, tout ça. Vous avez la guerre future juste au-dessus. Et nous, on va aller voir directement Xur, qui se trouve tout au fond de cette partie du bâtiment où personne ne va jamais, on peut dire ce qui est. Et le voici, Xur, l'agent des neufs. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous proposer cette semaine. Donc déjà, première déception, on remarquera qu'il n'y a aucun moyen de troquer avec lui. Ou alors ça viendra peut-être plus tard dans le week-end. Auquel cas, je vous tiendrai informé sur Twitter. Mais là, actuellement, il n'y a aucun moyen d'acheter des pièces étranges ou des éclats d'ascension et autres en échange de l'humaine, fleurs et autres mousses métallifères. Donc là, c'est la petite déception. On retrouve également les mêmes raretés que la semaine dernière, à savoir des objets pour améliorer vos fusils, vos vaisseaux et des cartouches d'armes lourdes. Et donc on va voir le plus important, on va directement à l'équipement exotique, ce qu'il a proposé un petit peu cette semaine. Donc on retrouve un torse donc pour la classe des titans, donc l'écusson d'Alpha Lupi. Donc voilà, on est toujours sur le même niveau de défense que les torses habituels, on est à 439 au max. On a également un casque pour les chasseurs, donc là il va vous falloir 13 pièces étranges pour l'obtenir. Donc voilà, 402 de défense, là encore rien de nouveau, et 402 de défense toujours, un casque pour les arcanistes. Donc voilà, il vous faudra également 13 pièces étranges pour l'obtenir. Quant aux armes, on retrouve le fusil automatique, le règne de Suros, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que vous feriez bien de l'acheter pour ceux qui n'ont pas du moins d'arme principale qui va jusqu'à 300 en attaque. Là c'est quelque chose de très très puissant, c'est l'idéal. Et enfin, l'engramme exotique, donc pour 23 particules de lumière, vous pouvez prendre le risque d'avoir quelque chose de légendaire, de rare ou d'exotique si vraiment vous êtes chanceux. Voilà, c'était le petit tour de la semaine sur Xur. Je le rappelle, il se trouve dans le hangar de la tour, soit la partie droite de la tour. Gros bisous tout le monde et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !